Le native ad, c'est le mot que tout le monde emploie en ce moment, et oui, c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place, en tout cas sur le marché du digital. C'est une réponse en fait à cette surabondance de publicité intrusive qu'on a vue depuis des années et des années. Il y a 10 ans, on a créé des formats classiques qui marchaient bien, ils ont marché de moins en moins bien, on s'est dit, bah, ils ne marchent plus là, on va vous les mettre en plein devant le visage. L'internaute, il en a juste marre. Les 18-35 ans maintenant sont au fait de ça, d'où la montée aussi en puissance des adblocks par exemple, et ils veulent maintenant des choses de qualité, des choses qui les intéressent vraiment. Il faut que les marques se mettent vraiment en tête de créer une vraie expérience et de réfléchir un peu comme un média et d'arrêter de parler d'elle. Il y a un truc qui est vraiment important de savoir, c'est que le natif, c'est certes une façon de diffuser quelque chose, mais ça implique de quelque chose. Et en fait, ce quelque chose est très important. Il ne faut pas lésiner sur la valeur du contenu que vous allez diffuser. C'est bien beau de mettre des énormes budgets médias, mais si à la base, le contenu que vous créez n'est pas de qualité, ça sera juste un coup d'épée dans l'eau. Donc vraiment, focalisez-vous d'abord sur créer un contenu qui va vraiment engager votre cible et après, vous penserez au moyen de le diffuser.